Bonsoir à vous, bonne nuit, il est, 22, il est 22h, moi, chez moi. Désolé de mon apparence, hein. Vous allez voir les trucs blancs, blancs sur mon visage, ça y est même partout sur mon corps. Parce que je me sens pas, j'ai eu allergie ce matin. J'ai mangé la nourriture que je ne devais pas. J'ai mangé champignons, mochons. Et puis ça m'a donné allergie, j'étais même couché. je n'étais pas bien, je suis pas bien. Voilà, bonsoir à tout le monde. Bonsoir à vous tous, bonsoir, comment vous allez Voilà pourquoi je tiens à faire cette vidéo vite fait. Voilà, il est un peu tard, peut-être que les gens qui vont me voir le matin, euh, d'autres vont me prendre après, d'autres, ah, ben, je ne sais pas, mais il fallait que je dise mon point de vue, que je parle par rapport à ça vite vite parce que... On m'a envoyé les vidéos, on m'a commenté, les, ça, avant que ça ne devienne quelque chose qui est plus grave, et ça va être euh, histoire de ce Le Burkina, et la Côte d'Ivoire encore qui va s'insulter, et tout en cas un problème, pourquoi moi je sors, ma, écoutez, moi je ne défends pas Le Burkina. je, je vous ai dit, moi j'ai créé Facebook là, je suis cyberactiviste, international, dans le monde entier, il n'y a pas partout où je ne peux pas parler de quelqu'un ou de qui que ce soit. Rêve, je parle de toi, que tu veux venir me répondre, tant pis. Si ça me tente de revenir te répondre, je reviens être bête. Si la personne devient bête, je reviens bête. Encore plus bête, si la personne est polie, ben c'est comme ça. Mais là, m'interdire au point, on te dit, ah ben, faut pas mettre ta bouche ici, il ne faut pas. Mettre... Écoutez, là, vous êtes. Qui est l'enfant Je suis votre enfant, vous allez me dicter de qui ou bien de quoi ou bien de quel pays. Moi, je peux pas de moment que moi, avec mon passeport américain, je peux voyager partout dans le monde entier. C'est dans le pays de qui que moi, je ne peux pas parler. Quand tu as le passeport, même quand tu n'as pas le passeport américain, quand tu as le passeport et que tu parles avoir un visa dans le monde entier, là où tu peux mettre ton pied. Ça veut dire que tu es autorisé à partir partout là où tu veux. So, je suis autorisé à parler de quel pays que, qui me chante, qui me tente. All right? C'est concernant euh, celle qui fait les vidéos à, à, en Côte d'Ivoire. Et j'ai jamais pu prononcer son nom. C'est Yunis Eunice, Eunice, ou Yunis Eunice, euh, something. Yunis. Eh, hey, anyway. Jamais prononcé son nom. Voilà. Comment vous allez Vous allez bien Ça va Oh, le il La personne que tu me demandes, ça ne me rate pas. Moi, je ne sais pas. Je le connais pas. Voilà. Il euh, y a un incident, comme je vous disais. Excusez mon apparence. C'est le produit qu'on m'a donné. On dilue dans l'eau, puis je frotte tout mon corps. Quand je finis de me laver, je, je dois mettre dans tout mon corps parce que mon corps était enflé, je, 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 me, je me grattais, ma langue était remplie dans ma bouche là. All right, uh, Eunice Zunon. All right, elle. On dirait qu'elle euh, a eu un petit problème à l'aéroport de Ouagadougou, que nous devrons parler parce que ça devient genre comme, oh, le Burkina, ceci, la Côte d'Ivoire, cela. Écoutez, elle ne mélangez pas, hein? c'est pas histoire de Burkina, c'est pas histoire de la Côte d'Ivoire, c'est pas histoire de quoi, c'est pas histoire de pays, c'est pas histoire de. na C'est pas histoire de xénophobie, c'est pas histoire de le malin ou bien mal éduqué ou bien qu'on t'aime pas. Qu'on qu on se dise la vérité et qu'on qu en arrive, on n'a pas encore gagné parce qu'on n'aura on jamais la version de la police non plus. À moins qu'elle ne porte plainte, même si elle a porté plainte, euh, la police ne va jamais se prononcer parce que c'est comme ça, c'est leur code de. Hum, ni venu connu, Zip cac, il ne parle pas. Mais, selon les faits, selon ce qu'on dit, moi-même, j'ai eu à parler à les gens là-bas, ce qui s'est passé, bon, je ne vais pas rentrer dans ce qui s'est passé, parce que j pas là -bas, je n'étais pas là-bas, je ne vais pas raconter ce qui s'est passé, mais l'interprétation et la compréhension de certains, de nous tous, on a qu'à se dire une vérité. Toute personne qui a eu à prendre l'avion, toute personne qui a eu à dealer avec les aéroports, toute personne, je dis, même les cars, même que tu veux voyager, il faut savoir que le code vestimental, vestimentaire, le code, le, la, ton accoutrement, quand on dit accoutrement, c'est comment tu habilles, non C'est peut-être un t-shirt, ton pantalon, ou bien ta veste, ou Vous comprenez Ce n'est pas histoire de c'est le Burkina qui n'aime pas les gens qui portent... Je connais mon pays. Je sais que quand tu portes les petites kilottes, les petites tenues, là, ils te traitent tout le temps de n'importe quoi. Même ici en Europe. Les vols commerciaux même ici même aux États-Unis. Les vols commerciaux, tu vas aller prendre avion. Façon même que tu vas t'habiller. Si tu t'habilles comme ça souvent, ça dépend de qui tu vas croiser. Tu t'habilles le gros. Tu as vu comment j'ai porté mon t-shirt gros non? Mon t-shirt gros, mon pantalon est gros là. Ensuite tu ajoutes casquette, tu retournes en arrière. Ils vont pas te laisser board. Ils vont pas te laisser rentrer dans l'avion. Ça là c'est pas histoire de Burkina, c'est pas histoire de la Côte d'Ivoire. C'est histoire de on dit avion. Euh, mais pourquoi le prix est différent des cas Pourquoi la, nous vous ne prenez pas le train, vous ne prenez pas le cas Parce que avion c'est quelque chose, ça représente la personne, c'est le respect, c'est l'honneur. Accoutrement là, tu peux porter un t-shirt, jean, des baskets, même foulard, whatever, mais bien. Mais quand tu vas aller d'entrer dans l'avion, avec histoire de ta, ta cravate tombe, pour que les gens de first class s'habillent bien dans l'avion, dans le même avion que nous tous on board, là, on va rentrer, passer dans l'avion, first class et puis nous autres on là, là, est derrière. C'est le rideau seulement qui nous sépare. Mais là-bas tu peux te coucher pour bien dormir. Mais nous on va aller se quadrer comme ça, on dirait dans la boîte de sardines. Mais quand tu les vois, ils portent des cravates, ils s'habillent bien pour rentrer. Toi-même c'est comme ça, quand tu veux prendre l'avion, ce n'est pas parce que c'est le Burkina. Je me rappelle une fois même, deux fois même j'ai eu ça. J'ai vu ça, c'est pas arrivé à moi, mais je partais à Chicago ici, dans l'avion là. Une femme, elle était habillée, elle partait, elle a porté les, les suvertements là. Mais ils l'ont pas, pas laissé bord. ils l'ont pas laissé rentrer dans l'avion. Ils l'ont dit qu'elle n'allait qu se changer. Elle a dit non, que okay, non, elle a fait d'entrer ce coup, le sud que toi tu peux attraper pour entrer dans l'avion. là. Elle dit que sa valise, là, elle, dit, elle dit que non, elle ne peut pas aborder avec la tenue qu'elle est là. Je vous jure, elle s'est même arrêtée dans l'avion, ouvrir, reprendre jean, et puis prendre jacket, porter, et puis elle est rentrée. Quand il te dit ça, une bombe, on n'était pas là-bas. J'ai eu des explications à l'aéroport aussi. Parce que comme je dis là, je ne suis pas venu défendre quelqu'un. Je suis venu parler, donner mon point de vue. J'ai toujours fait comme ça. On n'était pas là-bas. On ne sait pas comment ça s'est commencé. Ça s'est passé et whatever. Mais dans l'avion, quand tu veux prendre l'avion, c'est pour tout le monde. Essayez de bien vous habiller. Les eux, ils vont te dire qu'ils font, alors là où il y a les terroristes, alors là où il y a tout. Quand tu arrives là-bas, ils, ils vont te dire qu'ils font leur boulot. Ils ne peuvent pas commencer à te brigander, à te faire la force, à se comporter sauvagement avec une personne sans si peut-être que tu n'as pas voulu résister ou bien voulu tirer, avoir des, des conversations bizarres avec eux. Non. D'accord. Quand ils ont commencé à parler là, les journaux ont commencé, les pages, les quoi ont commencé à dire, oh, à l'aéroport de Ouagadougou, je ne défends pas le bouquin, je m'en fous du Burkina. Les là, 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 ils me vend quoi? Il y a quoi? Je dis, je m'en fous de Burkina. Ce n'est pas une histoire de Burkina, ce n'est pas une histoire de la Côte d'Ivoire. Mais c'est histoire de comment on doit s'habiller pour entrer. Quand ils ont trouvé que tu étais en kilote, qu'elle a kilote, tu ne peux pas rentrer. Je sais que ça fait mal. C'est peut-être un manque de respect. Tu trouves qu'ils t'ont manqué de respect. Juste, tu vas retourner là, tu prends tu, euh, pain ou bien tu prends quoi? Tu rentres. Parce que s'ils disent que tu ne peux pas aller dans les toilettes, les toilettes de l'aéroport de Ouagadougou, peut-être c'est dedans, je ne sais pas. Je suis allé là-bas, il a dépassé, mais je n'ai pas utilisé les... Oh, ok. Je suis parti utiliser les toilettes quand je voulais board. Et voilà. Mais c'est que c'est quand tu as traversé la douane... Oh, oui, la douane. Pour entrer là. C'est là que... Il y a encore... Euh, les toilettes sont dedans là-bas. Vous voyez Oui, Air France... Non, Air France, les... A... Souvent, j'ai dit, ça dépend de comment toi. Tu vas t'habiller et c'est qui tu vas croiser. C'est comme les services d'immigration. Ça dépend de quelle personne tu vas croiser là-bas avec tes papiers. Si tu croises une personne qui a eu des problèmes dans la maison, ou bien une personne qui est peut être comme ça, ne t'aime pas. Ce ne n'est pas, pas parce que c'est comme ça, une personne ou deux personnes, que, que la chose est générale. Non. Et pas parce que qu'elle va se mettre à l'idée aussi, selon ce qu'ils m'ont expliqué. C'est que moi j'ai entendu, c'est que la personne que j'ai parlé. C'est parce que c'est elle. Et même, ils n'ont pas su c'est qui. Et ça, ils ne peuvent pas savoir que oh, c'est une star, ou ouais, c'est une personnalité. Ouais, non. Quand tu viens, tu bordes avec tout le monde, on te traite comme tout le monde. À moins que toi, on va t'accompagner dans la. Dans, dans les salles VIP, là, de là-bas seulement, tu bois dans un grand 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 place. Là où il y a le rideau qui nous sépare, là. So, il ne faut pas qu'on va commencer à dire au oh, Burkina a fait ceci. C'est parce que c'est au Burkina que c'est comme ça. Ou bien à l'aéroport de Ouagadougou, on se comporte comme ça. Non. Non. Ce n'est pas personnel. Ce n'est pas personnel. Mais une kilote, tu vas porter une kilote pour entrer dans l'avion, même si c'est le vol commercial, domestique. Même si c'est le vol domestique. Quand je dis domestique, c'est de payer un autre. Euh, Ok, national like like na, euh, national. C'est pas du le Burkina. C'est pas pareil, c'est international. C'est trop loin où tu peux porter même les tapettes parce que tu t'assois dans l'avion tes pieds vont s'enfler whatever. Non. Mais quand ils disent que une culotte ne rentre pas, même si tu n'as pas vu le, le poteau là-bas, at least ils font le boulot. Ils sont tenus à regarder. C'est parce que tu dois être cravaté, ça non. Mais tu te tu t'habilles simple et bien. Tu n'as pas besoin d'être bien propre, bien, 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 avec des cravates, avec quoi. Donc, qu'on se comprenne, avant que demain ça va devenir encore. Et puis d'autres vont profiter, dire Burkina a fait ceci, les Burkinabés sont quoi Moi-même, nous-mêmes, à l'aéroport de Ouagadougou, même l'année passée, ils ne regardent pas qui te. Ce n'est pas parce que tu es ivoirien, ce n'est pas parce que tu es togolais. C'est comme ça ils sont. C'est comme ça leur travail, ils font leur travail. You know C'est comme ça ils font leur travail. Ah ok, donc euh, si on dit dans l'avion, il faut porter pantalon, Le, il faut aller lire même, partez, vous qui dites que non ça va, faut partir même dans Google, tu lis, l'accoutrement même pour entrer dans l'avion là, c'est différent, tu dois bien t'habiller, on dit bien t'habiller pour entrer dans l'avion, ok, donc euh, qu'ils l'ont brutalisé, ah, euh, ils ont cassé ses ongles, ils ont fait quoi, je ne sais pas comment euh, ça s'est passé là-bas, je n'étais pas là-bas, mais quelque chose vraiment s'est passé. Et tant qu'on n'aura pas la version des deux personnes-là, parce que la police ne va jamais dire un mot, et elle, elle a expliqué pour elle en vidéo. Moi, je suis venu dire ce n'est pas histoire de Burkina, Côte d'Ivoire. Qu'on se comprenne, ce n'est pas histoire de Burkina, Côte d'Ivoire. Ce pas histoire de Burkina, Côte d'Ivoire. J'ai dit. On sait qu'on se guette beaucoup ces temps-ci-là. Mais ce n'est pas histoire de Burkina, Côte d'Ivoire. Ces temps-ci, c'est chaud. Chacun doit surveiller et faire attention à ce qu'il dit. Ce n'est pas histoire de Burkinabé, Ivoirien. OK? Voilà, si c'est tout, nous on fait beaucoup de mal à les Ivoiriens. Toi, l'Ivoirien qui est sur ma page-là, il faut aller te faire foutre. Il va te faire foutre. Je t'ai tout. Je vous ai toujours dit, ce n'est pas histoire de Burkinabé. Et ivoirien. C'est l'histoire d'une personne qui est handicapée, son ticket. Il est, elle est en visite au Burkina et elle est retournée. Elle a eu le problème avec la police là-bas. C'est entre la police et elle, individuelle. et non entre parce qu'elle est ivoirienne ou bien parce qu'elle est comme ça que c'est comme ça qui s'est passé. Non, c'est pas histoire de. Parce que je sais pourquoi je suis venu à l'heure là pour faire la vidéo et je vais parler. Les messages que j'ai reçus, les quoi que j'ai reçus, vous les Burkinabés là, vous les... je ne veux plus entendre ça. Ce n'est pas histoire de Burkinabés et des Ivoiriens. Ce n'est pas histoire de Burkinabés et des Ivoiriens. Si vous, j'ai dit, on n'a qu'à essayer de bien parler. Et chacun n'a qu'à contrôler ses mots. Et quand vous allez expliquer les faits, la police ne va jamais sortir pour expliquer leur fait aussi. Mais <laughs> si c'est Tilote là seulement, je sais, j'ai déjà vu tu vas pas rentrer. Quand on dit tu vas pas rentrer là, c'est juste retourner changer puis être là. Ma chérie, explique bien et non dit des autorités en fait quoi Parce que ou bien tu vas croire dans ta tête que c'est parce que tu es ivoirienne ou bien que tu es sur Facebook, star de Facebook Non, euh, non. No. Nope, 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 nope. Nope, c'est pas ça. Bon, je suis venu faire ma vidéo là. Je profite de ceux là. Je vais commencer à lire vos messages maintenant, à publier vos messages. Toi, les Burkinabés, Burkinabés, c'est comme un, un idiot qui était ici tout de suite en train de dire là. Je vous ai dit, ce n'est pas histoire de Burkinabés et d'ivoiriens. Non. Ce n'est pas histoire de Burkinabés. Et d'Ivoirien. c'est pas histoire de Côte d'Ivoire et le Burkina. C'est histoire d'un Ivoirien, d'un passager, d'un vol. Ça s'est passé au, au, à, à l'aéroport de Ouagadougou avec la police de l'aéroport, la, de la de la, de avec la dame. Ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Ne dramatisez pas parce que ça, là, ça arrive à partout. Ça arrive partout dans les aéroports. Ça arrive partout avec les policiers. Et venir dire non, pour oh, qu'il est ceci, Burkinabé a fait quoi. Souvent, quand on dit là, le respect est mutuel. Hein. Quand tu me respectes, je vais te respecter. La manière que je te regarde là, c'est comme ça, si tu me regardes droit dans les yeux, tu me respectes, tu vais te respecter. Mais quand tu veux m'utiliser ou bien eh, me m'immuniser, me mettre en bas, faut savoir que aussi, toute personne a ses atouts là, a cette force là d'être impoli aussi. Ça dépend de comment. Quand. Et donc quand deux personnes discutent là, quand elles écoutent là, vous allez vous comprendre. Si vous voulez parler en même temps là, vous n'allez jamais vous comprendre. Like, when you listen, you will learn. Quand tu écoutes, vous apprenez et vous pouvez bien vous comprendre. OK? Pas, c'est pas histoire de Burkina Bé, de, de Burkina et la Côte d'Ivoire. Non. C'est parce qu'elle est ivoirienne que la police a fait quoi, 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 quoi. Non. Non et non. Thank you. J'ai fini ma petite vidéo. Demain, si tu as pris cette vidéo, n'importe qui t'a a pris cette vidéo, tu veux faire de la manière, la sorte que tu veux, vous savez toujours, cette vilaine, sauvage, sale là, elle est toujours prête à tout. Je viens, je dis, ce n'est pas histoire de Burkina B et de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas histoire de Burkina, et de la Côte d'Ivoire. Ok Je vous remercie et bonne nuit.